je dis à Florie et Nico que mon téléphone n'a pas de réseau. J'avais désactivé les données cellulaires. Sorry. Sinon, la question est revenue plusieurs fois et c'est pas du tout un secret. Effectivement, je connaissais Florie avant les familles nombreuses. On avait eu l'occasion d'échanger déjà plusieurs fois. Mais ni elle, ni moi, savions qu'on allait partager l'aventure ensemble. Voilà. Bon, j'ai fait le tri dans tout ce qui reste de l'année dernière au niveau stock de fournitures scolaires. Il n'y a plus qu'à et j'ai reçu aussi, vous savez, toutes les petites étiquettes que je prends chaque année pour tout ce qui est, vous savez, les vêtements des enfants, tout ce qui est feutre. Et ceux-là sont particulièrement bien. Donc, si je peux vous partager l'information, ils sont vraiment trop. J'ai pris le petit flamant rose pour Amy. Les petits motifs que j'ai pris pour Maë, pour Nino, pour Alessio avec le foot, pour Mathia à la maternelle. Ça, c'est les kits maternels. J'ai aussi pris pour Alba le kit pour la crèche. Et c'est trop bien parce que vous avez même pour mettre dans les chaussures. Et ce que je trouve encore mieux, c'est que comme Mathia et Maë ont choisi eux-mêmes le robot et la fusée, ils savent quelles sont leurs étiquettes. Et comme ils ont toujours les mêmes paires de chaussures... Oui, j'ai pris le robot. Comme j'ai toujours les mêmes paires de chaussures... à leur demande, je le rappelle, eh ben, ça leur aidera à savoir quelles sont les chaussures de qui. Je n'ai pas du tout payé pour vous montrer ça, mais franchement, je les adore. Je trouve qu'ils sont de très, très belle qualité. Vous avez ceux aussi pour les vêtements. Et voilà. Ils viennent de chez Ludy. Et en plus de ça, c'est une fabrication française. Voilà, l'expédition est hyper rapide. Et voilà. Franchement, je vous recommande ces petites choses pour la rentrée scolaire. Je suis passée à Action et j'ai encore acheté des boîtes et des boîtes pour ranger et re-ranger. Et j'ai pris aussi ça, c'est des petits puzzles 3D pour Mathia et Maë. Et je crois que c'était moins de 2 euros. Sans oublier la pâte à modeler et j'ai pris 2 kits de peinture comme ça parce que je voudrais repeindre les plinthes à la maison. Enfin, pas les repeindre parce qu'elles sont, elles sont brutes. Je déclare la journée pyjama, no make-up, ouverte. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Pourquoi tu boudes? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'achète une Vespa? C'est pour ça que tu boudes? Oh là là! Allez, viens maintenant.